Attention Magali, si tu dois faire des rendez-vous en binôme avec Eric, c'est pas pour autant que je vais réduire tes objectifs. Sans les réduire, on pourrait peut-être les aménager. Tant que tu les réduis pas, tu les aménages comme tu veux. C'est pas mon problème. Oui, mais on a convenu que sur ce trimestre, je devais me former particulièrement sur les... C'est pas pour autant que tu vas arrêter de travailler. La formation fait partie de mon temps de travail. Oula Magali, si tu veux jouer les syndicalistes avec moi, ça va pas passer. Attends, c'est pas du tout ça. Ce que je veux juste te dire, c'est que j'aimerais que tu prennes en compte le temps que ça va me demander de me former, c'est tout. Bon, d'accord, ça va te prendre du temps, et alors ? Alors, j'aimerais bien que tu m'aides à trouver une solution pour intégrer ce travail dans mon activité. Bah, à part travailler plus, je vois pas. Bah si, il y a pas mal de solutions. Vas-y. Par exemple, tout en maintenant mes objectifs annuels, on pourrait les répartir autrement, mois par mois. Ça, c'est pas possible. Je fais un reporting tous les mois, je peux pas avoir un mois vide. Il sera pas vide, et on pourra justifier l'écart. Surtout si on promet de le rattraper. Puis je pourrais aussi travailler sur d'autres comptes, plus proches de ceux d'Éric, par exemple. Ça me permettrait du coup là, de prendre... Là, je t'arrête tout de suite. On ne touche pas aux comptes. C'est trop sensible. Oui, mais si on s'entend entre vendeurs, pour une période très courte... Oh là là, après on s'en sort plus pour le calcul des primes. Bah justement. Exceptionnellement, on pourrait proposer une prime d'équipe plutôt qu'une prime individuelle. Attends, tu refais le système de primes, toi. Non, mais ça va pas bien. Hein. Tu veux quoi? Tu veux mettre l'équipe par terre? Non, écoute, tu arrives plus tôt le matin, tu finis plus tard le soir et tout va bien se passer. À la limite, si tu veux, tu étales tes rendez-vous avec Eric sur deux trimestres. Attends, eh oh, c'est quand même une belle souplesse, non? Je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Moi, j'essaie de trouver des solutions réalistes, mais non, je t'en veux pas.